Allez, salut tout le monde déjà, et bienvenue pour... Je vous laisse quand même réécouter cette musique qui nous donne les frissons. Chaque fois qu'on l'entend, parce que ça nous rappelle une bonne époque. Et voilà, c'est notre marsupial préféré, Crash Bandicoot. Alors voilà, je vais aller voir dans les options. Je lance. Hop. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'analogique ne marche pas là-dedans, donc on peut jouer. C'est à la bonne, à la vieille époque, avec les flèches. Hop. Donc je lance direct. Insanity Beach, donc allez, hop, voilà, on se lance direct, on est sur la plage, hop. Donc ça fait drôle de rejouer à la manette avec les flèches, parce qu'on a plus, j'ai plus l'habitude de jouer, on a plus l'habitude maintenant de jouer avec le stick. Et là, je suis au-dessus. Hein, d'habitude, on doit passer en dessous, mais là. Hop, là on passe au-dessus. Je suis passé au-dessus. Hop. Ah, là je me suis. Non, c'est bon. Et voilà le célèbre Aku Aku qui vient nous. Ou Kaoka, non, je ne sais plus. J'avais toujours tendance à me tromper dans les noms. Mais là, hop. Ah, c'est vrai que quand on tournoyait sur les pommes. Ah non. Ici. Donc voilà, souvenez-vous, il y avait trois formes de masque, le masque normal, le masque un peu plus orangé et l'invisibilité. Hop. Voilà. Et donc vous souvenez-vous, il y avait un jeu, il y avait un truc à faire avec les caisses. Il fallait tous les toutes les récolter, pardon. Donc là, ouais, vous voyez, vous aviez un choix. Donc il y avait un chemin plus ou moins ardu et un plus ou moins facile. Là je crois que j'ai pris le plus complexe. Vous voyez, je voulais le faire, hein, de toute façon c'était prévu. Donc, vous voyez, là j'ai perdu tout mes deux masques, et donc le checkpoint me remet là où il y avait le masque. Hop. Vous voyez, en plus c'était à l'époque, pour moi c'était mon premier jeu, donc je vais vous dire, dès que j'ai reçu, je crois que c'était en 97, Noël 97 ou 96, je ne sais plus, j'ai reçu ma PlayStation avec ce jeu et le célèbre jeu de foot, hein, qui m'a fait détester le foot à vie. Donc voilà. Voilà, bon, le premier niveau est bien sûr toujours simple, c'était toujours pour vous mettre. Hop, bon, le premier jeu était en anglais, c'est qu'après qu'ils sont passés en français. Hop. Parce qu'il a fait tellement d'émules en France. Hop, voilà, là c'est la TNT con. N'aimer ou qu'on détestait. Donc au début, le bestiaire était pas trop, était pas trop, comment dire, pas trop fourni, quoique il y avait quand même pas mal, dans les premiers niveaux, pas mal de d'animaux, genre blaireau, tortue. Alors oui, il faut savoir aussi, dans ce Crash vous avez une bandicoot une bandicoot femme, donc voilà, ce qui elle va disparaître après, parce que je pense qu'ils ont pas trop vu l'utilité, vu que ça servait juste, en fait ça faisait un peu trop, comment dire, ça
Ça faisait un peu trop Mario, je trouve. Il va chercher la princesse Peach. Non, ils ont peut-être dit ouais. Alors là c'est compliqué. Je voulais le faire pour voir ce que ça allait ce qui allait se produire. Faut faire attention parce que des fois il y a des caisses vraiment cachées. On ne sait pas, ils étaient vicieux à l'époque. Voilà, donc là je vais me retrouver dans un niveau bonus. Et les mu musiques étaient quand même sympas pour l'époque. Hop. C'est tout. Donc vous voyez, hop. Vous voyez, ça c'est le personnage qu'ils avaient rajouté, qu'ils avaient rajouté sur le premier. On peut voir je peux voir mes sauvegardes sur le. C'est bien fait, c'est pas mal. Et on pouvait sauver. On pouvait sauver entre temps, je me souvenais plus, vous voyez. Ça fait super longtemps, je crois que. Faire plusieurs années que j'ai pas retouché. Et je vais vous dire. Oula. J'ai fait un peu n'importe quoi. Ici, hop, on va casser ces caisses, on va passer. Vous voyez, hein, ça commence à devenir un peu ardu, même si c'est encore simple. Ah voilà, ça c'est ici que ça commence, c'est le nombre de. En fait, là, il montre le nombre de boîtes que j'ai ratées. J'en ai raté 3. Et en fait, le nombre de boîtes me permettait de, je crois, de récupérer les diamants. Ce genre de diamants. Bon, je vais vous dire par rapport au let's play de Spyro, il faut sur Crash, il fallait avoir un peu plus de, comment on dit, de skill, donc je ne ferai pas malheureusement le 100%, juste pour vous rappeler, je ferai le jeu normalement. Donc là, il fallait être synchro pour pas se faire bouffer. Hop. Là, il fallait être bien droit. Il fallait sauter au bon moment sans se faire écraser. Vous voyez, y a des singes, y a beaucoup d'animaux de la jungle. Hop. C'était vraiment un bestiaire. Hop. Je m'en souviens. Il fallait le faire tourner. Là, par contre, c'est un peu embêtant de reprendre la. Parce que les flèches directionnelles sont. Même sur la manette Xbox, sont pas très. Voilà, hop. Sont pas très sensibles. Ce qui donne un côté jeu de l'époque. Est-ce que je peux. Voilà. Voilà, il fallait récolter. Hop. Ah. Ça, c'était les. Je crois qu'on peut faire un effet, non? Non, ça c'était pour monter. Ah non, je crois que c'est plus tard. C'est plus tard dans le jeu ou dans un autre crash, mais je me souviens qu'on pouvait faire un plaquage. Ici, c'est les plateformes qui glissent. Ah, vous voyez. Hop. Je me permets de le prendre. C'est un peu comme dans les. Comme Rayman Origin qui revient un peu aux sources. C'est-à-dire d'avoir une. Ah. Je vais essayer de pas me faire avoir. Je crois qu'il faut sauter au bon moment. Voilà, fallait sauter en fait au bon moment. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Hop. Voilà, il faut lui sauter juste en dessus. Il va se placer. Alors ça, faut faire attention. Ça prend feu. J'aurais pu passer si je. Mais on sait jamais. Voilà.
Voilà, j'ai les trois, encore un niveau bonus. Donc là, faut faire attention. Héhé. Là, je crois que c'était comme ça. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'était pour récupérer ou des clés ou des diamants. Donc là, ça sauve sur la carte mémoire. C'était des points de sauvegarde. Hop, voilà. C'est la sauvegarde de l'époque. Oula, j'allais passer. Hop. Donc là, vous voyez, hein, si vous récupériez les diamants, vous pouviez passer par-dessus le final pour, je pense, aller à un coin bonus pour récupérer quelque chose. Mais là, on ne va pas y aller, Boulder. Ah oui. Ça, c'était à l'époque, c'était. C'était le. La nouveauté, le genre de jeu, la vue en face. Donc, vous voyez, on avait le temps de, quand même de voir. On avait le temps quand même de voir les trous ou les obstacles qu'il fallait éviter. C'était à l'époque, c'était innovant ce genre de truc, mais c'était oula. Il fallait sauter par-dessus. Hop. Je vais essayer de quand même de prendre. Allez, vous voyez. Je saute trop tard. Je saute trop tard, mais il faut savoir que la manette. Hop, c'est un peu chaud de reprendre, mais je pense que à force, ça va être mieux. Hop. Donc là, le premier, comme toujours, c'était pour vous mettre dans le bain. Hop. Après, ça montait crescendo. Donc là, après, il faut que je fasse attention. Il y a des petites barrières. Je saute avant. Hop. Heureusement, il y a des checkpoints. À l'époque, il y avait des checkpoints. J'ai failli faire une. J'ai toujours l'impression qu'il va tomber avant. Là, vous voyez, hop. Ah, je me le suis pris. Ça m'a ralenti. Vous voyez, ça monte crescendo. Là, ça s'écroule. Non, c'est pas lui. Et voilà. Bon, il est très simple celui-ci. Ah, j'ai reçu une gemme. Je m'y attendais pas. Et là, comme on peut le constater, il n'avait pas encore sa danse de la victoire. Il était juste. On va tenter d'aller jusqu'au premier boss. Je dis, mais on va tenter. Hop. Chaque niveau, au début, ils sont pas très longs. Après, je me souviens qu'ils commençaient à devenir de plus en plus. Ah. Ce poisson m'a déstabilisé. Hop, donc on va aller faire la suite. Ah mince, je suis allé trop vite. Si je commence à faire des fails au début, ça va me le faire. Donc, non, c'est pas ici qu'il est. Donc, il fallait aller très doucement. Dans ces niveaux-là, je me souviens, c'était presque. Il fallait presque savoir. Non mince. Ah, c'était un. Une caisse qui nous permettait de sauter, donc je pense que j'ai raté un truc. Donc là, je vais attendre que le poisson ressorte. Donc là, je vais faire attention. Hop. Voilà,
Donc là il fallait sauter très rapidement, sinon on se faisait... On se faisait bouffer, hop, par le... par la plante carnivore, qui rappelait de près celle de... celle de Mario, hop. Et c'est carnivore toute rouge. Celle-ci, elle se... Ah, j'ai glissé, hop. Ah non, je sais pas si j'ai glissé ou je me suis fait manger, il y a eu un petit glitch. Hop, donc voilà. Donc là, en fait, il fallait pas rester, il fallait passer, hop. Et on peut les tuer apparemment, ceux-là. Du coup, on les envoyait dans le décor. Ce qui était rigolo. Oula, 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 oula. Je suis allé un peu trop vite. Oula. Là, je fais... Donc là, vous voyez, il y avait un... Il y avait des diamants, c'était pour passer autre part. Voilà, le checkpoint. Non, non, non. Je vais faire le bonus pour au moins sauver. On ramassait des pommes pour avoir de la vie. Hop, voilà. On va sauver. Et on continue. Hop. Même si j'utilise encore, comme d'habitude, la sauvegarde interne de l'émulateur pour vous permettre de reprendre là où j'en avais terminé la dernière fois. Hop, mince. J'ai sauté n'importe comment. Oula. Je vous dis, j'ai pas... J'ai du mal avec la... les flèches directionnelles. Donc là, vous voyez, on pouvait aussi passer sur le côté, mais là... C'était des zones bonus quand vous passiez avec les... Voilà. Papou papou. Donc le premier boss qui est un... qui est un aztèque apparemment. Hop. Parce que ça... On dirait que ça... Je crois que les l'histoire se passe dans une île aztèque. Donc je crois qu'il fallait lui taper par derrière. Voilà. Le mode, il n'était pas si complexe. Hop, je vais jouer comme ça. Voilà. Donc il fallait, je me souviens, il fallait pas se mettre en dessous de lui quand il tombait, sinon c'était obligé de recommencer. Donc voilà, hop. On va faire ce niveau quand même. Hop. Donc voilà, malheureusement, je voulais prendre ce niveau, mais c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Donc, on a pu faire jusqu'au premier boss. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier épisode. Oui, et oui, non, malheureusement, il n'y aura pas de partie. À partir de maintenant, les vidéos sont feront 20 minutes chacune pour... vous ayez un peu, vous ayez pas deux parties d'épisodes pour pas avoir trop de vidéos à regarder. Donc vous aurez un épisode par un épisode, ce qui sera tranquille. Donc encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au prochain épisode. Allez, salut à tous.